Rastapopoulos a encore frappé. Cette fois-ci, à la sortie du com... il s'est évadé à nouveau du commissariat, allait être ses hommes, et a embarqué, et au passage, il est chez Tintin, puis il a embarqué. Et ensuite, il essaye de prendre la fuite jusqu'à son repère qui n'est pas loin. Seule une équipe de chefs va les arrêter. Cette fois-ci, ton compte est bon, Tintin. Tu parles. Dans cette rue, je vais peut-être s'exécuter. Parce qu'on est marre de toi. Et vous aussi, Capitaine. Mais merde, ça va. Lâchez-moi. Devinez qu'ils sont cachés. Ok, on attend vos ordres, messieurs les hommes de la BAC. Je dirais même plus, on attend vos ordres. Mais derrière, quatre hommes de la BAC attendent. Ils se sont en fait dissimulés derrière les bandits. Ils attendent d'intervenir. Ok, les gars, on attend d'intervenir. Il y a un baqueux parmi eux, Tasson. Ils ne savent pas. En effet, ce baqueux-ci est le nouveau baqueux. C'est un traître, en effet. Il est pour le compte de Rastapopoulos, mais pas pour longtemps. Et Dupont aux attentes pour intervenir. Il est reçu, on attend toujours d'intervenir. Les Dupont sortent les matraques. Ok, on attend les renforts, les gars. Au cas où. Cinq hommes d'une CSI, une compagnie de sécurisation d'intervention, arrivent alors. Ils se sont positionnés au cas où la situation dégénérait. Ok, les gars, on va pas tarder à donner l'assaut. C'est très bien. Le baqueux se prépare son arme. Ok. Maintenant, pour plus de concentration, cette partie-là est filmée par un trépied. Ok. Dans quelques minutes, les Dupont vont intervenir pour croire qu'ils sont seuls. Mais... je vous laisse découvrir la suite.